ou alors une machine à laver qui tombe quand tu as plein d'enfants à la maison. S'il n'y a pas la machine à laver, ça peut poser des problèmes. Donc on essaie de résoudre des problèmes comme ça. Je ne savais pas qu'il était fait pour la cuisine, mais c'est le fruit de ses rencontres qui lui a permis de trouver son chemin, sa voie. Donc moi, on me demande d'aider. Donc je suis bénévole. Et puis alors au début, évidemment, quand on accompagne des gens, souvent dans les associations caritatives, on vient parce qu'on a un petit souci, on n'arrive pas à finir les fins de mois. Alors les gens, ils viennent demander de l'aide, tu vois. Hein, et il pleut pas souvent. Et quand il pleut, du coup, l'eau, elle rentre pas dans la terre. Quoi. Et puis quand t'as chaud, bah, tu vas à la mer. Et évidemment, il n'y a pas les parents. Donc il n'y a pas que du jus d'orange hein, à la buvette. Donc on boit un petit coup. Et puis moi, qui suis timide, quoi. J'allais vomir tout le temps, quoi. C'était visiblement, c'est pas un truc que mon corps aimait bien, mais à chaque fois je fumais, hop, je me retrouvais au chiot. Et donc tu te dis, c'est étrange, quoi. C'est à dire que comme tes potes le font, il faut le faire. Ça aussi, c'est un truc, c'est un jour, c'est un machin que tu n'aimes pas faire, t'es pas obligé de le faire, quoi. Il faut au moins qu'il y ait du plaisir quelque part quand tu fais quelque chose, si t'as pas de plaisir. Mais tu sais, on a l'impression, on s'interdit de dire non à un truc. Il faut faire comme ses potes. Là, tu sais, le regard des autres sur toi, moi j'étais le gars timide qui disait jamais rien. Là, en buvant un coup, je fais rire mes potes. Ça me plaît, quoi. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais la fois d'après? Suspendu au regard de l'autre autour de nous. Mais bon sang, c'est quand même... C'est ta vie, quoi. Hein. T'as le droit de dire non si ça te plaît pas. Et nous, on s'interdit. Hein. Et ça, c'est terrible, quoi. Je connais un tatoueur à Paris qui s'appelle Tintin. Sur son ventre, il a tatoué ma bagnole. Et en fait, il a raison. Hein. Notre corps, c'est notre véhicule de vie. Et ce véhicule de vie, bah, on met le bon carburant dedans. Hein. Si tu mets dans un diesel... Tu mets du super 80. Par rapport à ce chemin qu'on a à faire, on a à chercher en fait notre place dans cette société. C'est ça le but de la vie. Pour être heureux, il faut trouver sa place. Et cette place, elle n'est pas toujours facile à trouver, surtout quand on est jeune. Vous êtes des grands jeunes, hein. Mais vous êtes quand même les vieux de demain. J'aime bien vous le dire, parce que moi, je me venge. En fait, oui, le monde, il vous appartient déjà. Hein. Comprenez bien que c'est vous qui êtes aux manettes du monde de demain. Et nous, on n'est que là pour vous passer un relais. Hein. Mais nous aussi, on a été jeunes, on a été fous, on a fait plein de bêtises. On avait envie de découvrir plein de choses, de s'éclater. Et puis la vie, elle te rattrape. Et puis on a des responsabilités, on a...